Bonjour, mon nom est Louis. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment ouvrir un compte Facebook. Tapez dans la barre d'adresse facebook.com, suivi de la touche Entrée du clavier, ou cliquez sur la flèche pour confirmer à Firefox que l'adresse tapée est complète. Voilà, vous faites partie des 1,2 milliard de personnes utilisant Facebook chaque jour. De plus, il est gratuit et il le restera. Remplissez ensuite le formulaire. Notez que Facebook vous demande d'inscrire votre courriel deux fois pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Assurez-vous ensuite de prendre en note votre mot de passe et de le taper lentement pour ne pas faire d'erreur. Si vous le perdez, il existe un moyen de le récupérer, donc pas de panique. Avant de cliquer sur le bouton vert « Créer un compte », votre mot de passe doit contenir plus de 6 caractères, être unique et difficile à deviner pour les autres. Je vous propose d'y mettre plusieurs minuscules, une ou plusieurs majuscules et au moins un caractère spécial, comme par exemple un signe de pourcentage. Entrez votre date de naissance et votre sexe. Voilà, cliquez sur « Créer un compte ». Comme nous configurerons plus tard les options, cliquez sur « Suivre le guide » pour lire les paramètres de confidentialité. Vous pouvez aussi ajouter une photo que nous cadrerons plus tard car l'option est indisponible pour l'instant. Cherchez pour au moins une personne que vous connaissez et faites-moi honneur, cherchez pour moi. Notez que vous pouvez faire une recherche d'amis avec ou sans accent. Facebook possède un moteur de recherche intelligent. Cliquez ensuite sur la loupe pour confirmer la recherche. N'oubliez pas de cliquer sur « Ajouter à droite de ma photo » pour que je confirme que vous êtes bien un ami. Si vous ne recevez pas un courriel de Facebook presque instantanément, cliquez sur le lien « Renvoyer le message » et confirmez votre courriel en cas d'erreur, ce qui est mon cas. Cliquez sur « Entrer un code » pour obtenir la boîte qui vous permettra de changer votre adresse courriel. Quand vous aurez reçu le courriel, il vous faudra copier et coller le numéro de confirmation de 5 chiffres dans la boîte à cet effet. Vous recevrez alors une confirmation de Facebook pour démarrer votre projet.
Sachez qu'à tout moment, vous pourrez supprimer votre compte à l'adresse suivante. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour poser vos questions. Merci et à bientôt.